would take you down. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau vlog qui n'est absolument pas prévu au programme. Donc aujourd'hui nous sommes le 27 avril 2017 et c'est mon anniversaire, voilà. Je fête mes 18 ans aujourd'hui et j'avais envie de vous faire un vlog parce que Elise, elle arrêtait pas de me saouler entre guillemets avec ça pour que je fasse d'autres vlogs. Et elle avait pas tort parce que c'est vrai que j'en fais pas souvent. Donc voilà, aujourd'hui j'ai décidé d'en faire un, donc il sera posté un peu en retard, donc je m'en excuse d'avance. Et je tenais aussi à vous dire que je vais filmer avec mon téléphone, donc comme là en ce moment, et avec mon appareil photo, donc je vais... Voilà, faire des échanges de temps en temps, un coup sur deux on va dire. Donc là il est 19h10 à peu près, on va aller prendre un petit apéro cacahuète champomie. Voilà, et ensuite bah, on va au kebab. Donc j'ai tellement hâte, donc j'espère que la vidéo vous plaira. Donc merci aussi à tous ceux qui m'ont souhaité mon anniversaire sur les réseaux sociaux. Et j'ai hâte de voir les futurs autres voilà, que je vais recevoir. Enfin c'est pas très français mais vous m'avez compris. Donc je vous dis à tout à l'heure et puis ben à tout à l'heure. Rix, you kebab for my birthday with my mom. He's here. Hello, hello. Oula, on est bourré. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Bonjour, nous sommes deux sœurs. Elle est folle. Ma mère est folle. Crazy, crazy. Une moto. Ah. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Peut-être kebab. Je vais fumer mon kebab. Ouais, très intéressant. Tu vas fumer ton kebab. Oui. Mon kebab mayo. Avec le poteau de kebab. C'est comme un poteau, hein. Électrique. Ouah. C'est qui la gamine? Et c'est pas moi qui vais avoir 81 ans. Bah toi alors. Ton art. 83. Oh, on a que 2 ans d'écart. Bon bref, je dis à tout à l'heure. Au kebab. Yam. Titi, petite petite. Surtout quand t'apprenais des trucs, tu dis rigolo. Ma mère, elle va ruiner tout le pot de mayonnaise. Elle est déjà son cinquième là. Son cinquième. Elle va s'acheter une crotte d'amis. Hein? Mmh. Elle abuse. Le pot il est comme ça. Il est comme ça. C'est cinquième. Bon, ça va, j'ai pas pris de pot non plus. Hein. Bon, et Elise, t'es contente que je fasse un vlog? Oui, je sais. Bon, je vais venir manger, moi, ça. Elle est bête. Elle insulte. Elle est méchante. Elle est méchante. J'ai arrêté. Non. Tu te rends compte que tu t'affiches sur YouTube? Arrêtez, hein. Donc voilà, on est rentré depuis un petit moment du kebab, on va dire pratiquement une heure, un truc comme ça. On va pas tarder à passer au gâteau et au cadeau. Et en même temps, j'ai commencé le montage du vlog, comme ça, voilà. Et pour ma réaction de mes cadeaux, je vais filmer. Je filme pas. Hein. Je vais filmer avec mon appareil photo numérique que ma mère tient dans sa main, pour que ce soit plus simple, qu'avec mon portable, parce que voilà. C'est pas tout le temps que je ferai des vlogs avec mon téléphone. Donc je vais vous laisser. On se retrouve tout à l'heure pour les gâteaux et tout ça. Et tout ça. Anniversaire Nemo. Joyeux anniversaire. Alors là, ma mère va chercher mes cadeaux. Je suis en mode de stress, attitude. Donc voilà, regardez mon gâteau. Il est pas beau, non? Oh mon dieu.
Alors, on était sûr qu'ils étaient là-dedans. Voilà, avec ma mère, on peut s'attendre à tout et j'en ai 13, dont 3, je crois, ou 4 que je connais. Parce que c'est moi qui les ai réclamés. Donc, on va ouvrir tout ça maintenant. Depuis le temps que j'attends. On filmera avec mon appareil qui est là. Tout de suite. Le premier cadeau. Jette le papier par terre parce que sinon on va pas y arriver. Pas peine de montrer comme ça, de toute façon j'en ferai une vidéo à part. Voilà, après, oui, des photos. Non, c'est Baptiste, mais. Après, je suis obligé de poser, hein, c'est pas le choix. Hein. Ah. Emma, en gros. Ah. Ça, c'est sûr, c'est comme Bosnie qui est. Élise, tu vas être jalouse. C'est moi qui t'aime. Ah, c'est le tablier. Le tablier a sorti. Ouais, on va faire la cuisine avec The Walking Dead. Le quatrième cadeau. Enfin, le troisième. Ah oui, c'est bien ça. Et c'est DVD collector. Parce que derrière, il y a les cartes collector. Collector, pas dans le gâteau, s'il te plaît. Ah, faut que je les ouvre. Oh, trop beau. Ah, c'est rangé là-dedans, quoi. Tu vois. Oh, putain. Le mifleur. L'Okami. Oh, il est mignon. Ah, c'est des belles cartes, hein. C'est pas... Elles sont pas... Billy Wing. Ils sont pas foutus de notre gueule. Vos trucs. Vos trucs. La première collection des animaux fantastiques de Debo. Demigis, guys. Guys, dit tout. Demigis. Éruptif. Et... Ouais, éruptif. Et oiseau tonnerre. Ah non, mais ça, je veux pas jeter, hein. Ça ne veut pas jeter non plus, hein. Maintenant, les moins intéressants des cadeaux. Ça, c'est, en principe, j'aurais pas dû être en premier, ceux-là. Mais bon. Alors, dans les moins intéressants, nous avons celui-là, parce que je sais plus ce qu'il y a dedans. Hein. Enfin, je sais ce qu'il y a dedans, mais pas lequel des deux. Je sais encore ce que il j'ai. Il n'y avait pas un autre que je connaissais dans le tas. Non, c'était les deux seuls au final que tu connaissais. À l'avance. Splendid. Tout le temps que tu le cherchais, t'es sur la liste. Oui, The Mask avec Jim Carrey et je sais plus qui. C'est bien. Ah oui, Cameron Diaz. The Mask, Splendid. Le deuxième. Ah, bah, tu ne mets pas ce qui est écrit dessus, mais en fait tu me fais chier à écrire moi. Joyeux anniversaire pour Nemo, t'es 18 ans. Oui, Nemo, c'est mon autre surnom. C'est quoi ça? Je l'ai vu en plus, c'est celui-là que je t'ai parlé où elle est un peu coconne. Ah, je l'ai déjà vu, c'est comment? Ouais, mais moi tu l'as en DVD maintenant. Ouais. Comme quoi, les grands espèces rencontrent. C'était un signe le jour-là. Moi qui ai dit, ah, faudrait que je mette sur la liste et tout. C'est Harry Potter, ça. Ouf, tu verras bien, non, dans les cadeaux les moins spéciales. Mais les plus emballés. Ah non, ah, j'en étais sûre. Ah merde. Ouais, parce que j'ai trouvé Easy Cash. Donc ça peut coller à l'arrière, j'en ai pris. Ah, j'ai même pas fini la saison 2, mais c'est pas grave. Attention. On commence la collection Harry Potter. Mon dieu, ça va couper avant, je suis sûre. Fais gaffe. 1 minute 28, là. 1 27.
25. En fait, c'est pas une noble collection, mais c'est pas grave, mort. J'ai trouvé ce que j'ai. C'est mon nouveau porte-clés. J'ai vu tout commander. Je crois que c'est pas maman qui les emballe. Hein. Ouais, oh. Regarde, qui casse celui-là. Ultra fragile. Vraiment peur de le casser pour le ramener. Oui. Oh, il est trop beau. Gryffindor. J'ai un verre. Mon verre Gryffindor. Il n'a même pas ses règles. Je suis dégoûtée. Ah, il est magnifique. Simple, mais magnifique. Ah. T'as les deux plus petites, ça c'était les deux trucs les plus petits. Non, t'as les gros trucs. Donc ceux qui ont goûté de la thune. Ça c'est pas Harry Potter. C'est Fantastic Space. Ça, je me suis plantée, ça doit être plus tard. Mais c'est pas grave. Ça c'est l'inespéré parce que trouver de la collection de, des animaux fantastiques, c'était le seul. Il était tout seul comme un con dans le magasin avec avec un garder les limites pour le dernier. Casse pas la boîte. Hein. Non mais même on trouve les animaux fantastiques sont sortis mais on trouve rien à la collection des animaux fantastiques encore. C'est le premier truc qui sort dans la, dans les collections hein. Donc c'est pour ça que je trouvais que c'était inespéré d'en trouver un pour ton anniversaire. Il est beau. J'ai pas reconnu tout de suite, moi, sur le coup. C'est après coup, quand j'ai vu l'écriture, j'ai dit, merde, ça, c'est des animaux fantastiques. C'est pas tout, faire collection Harry Potter, faut faire des animaux fantastiques. Bah oui, de toute façon, c'était prévu dans... Non, ça, je sais ce que c'est dedans. Je me suis plantée parce que c'est la même taille que celui-là, c'est pour ça. Oh putain, le mug. C'est pour ça que je me suis trompée, parce que c'est la même taille que c'est un mug aussi, donc... Ah, il sublime ça. 8 euros. Ah merde, ils ont laissé le prix, c'est con, à Leclerc aussi. Ils sont un petit peu couillons, à Leclerc. Ils ont laissé les prix sur les cadeaux. Ah. Il est scellé. Il n'a pas le droit d'ouvrir, en fait. Oh, mais il est trop beau. Mais c'est une merveille. Gryffondor. Avec Harry, Ron et Hermione. Oh, il est rouge à l'intérieur. Ben non, mais la couleur de Gryffondor. Ou pas, hein. Bouchez-vous les oreilles. C'est quoi ce truc? C'est... Qu'est-ce qu'elle avait dit? Ah, la version serpentin. T'as vu la taille? C'est gigantesque. J'ai 3 mugs. Elle a du bug. Elle bug avec ses mugs. Non mais c'était le seul tout court hein. Ouais. Soit il a eu un très grand succès et tous les autres ont été vendus, soit ils ont, c'est le seul qu'ils aient eu, personne n'en a voulu. Ils l'ont créé pour moi. Tout ce que j'ai eu pitié de lui. C'est l'avant-dernier. Ouais. Déjà. Oh putain non. Ah tu m'as pas fait le coup. Ah si c'est ça, je te tue. Je te tue si c'est ça. Ah non c'est pire. C'est pire ouais. On a deux de notre collection, ça c'est le moins beau des deux, mais le plus sympa. La baguette, belle, hein, la plus importante de toutes. La baguette de Sureau. La baguette de Sureau. Alors, dans quelques temps, le mois prochain, il y aura une vidéo Harry Potter, vous le savez tous. J'ai parlé de cette baguette qui n'a jamais appartenu à Rogue. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Parce que ça... Hein? Bon, je sais pas si vous avez encore vu la partie où je criais, mais voilà, j'ai Edwige. Je suis trop contente. Ah, j'aurais jamais cru que j'aurais ça un jour. Oh, je t'aime, Edwige. Ah, elle est trop belle. Elle est un truc en verre. Bah oui, il est dans un truc en verre. Je sais pas depuis combien de temps c'était arrêté ce con, là, aussi.
Je te l'avais dit, mon appareil, ça s'arrête. Et en plus, ce con, il s'arrête. Je sais pas s'ils ont le temps. On a le temps, faut regarder après. Ah, mais merde! Mais Edwige, j'ai même accroché à l'intérieur. Oui, parce qu'elle est dans du plastique, en fait. C'est pour ça qu'elle a tenu. Tu vois bien, là, sur le côté, c'est du, y a du plastique pour la contenir. Et dire que vous verrez ma réaction après la vidéo de mes... Enfin, vous verrez mes cadeaux avant le vlog. Et ça, c'est un peu débile, mais vu que le vlog n'est pas prévu et que Elise n'est pas censée le savoir, et ben voilà. Bref, comme ça, Elise va me faire une crise. Voilà, Edwige était l'un de mes objets sur ma wishlist à Harry Potter. Voilà. Et j'ai enfin la baguette de Sureau. Je la voulais depuis que j'ai la baguette d'Hermione. Et voilà. Enfin bref, je vais arrêter de parler. C'est d'énormes bisous.